En 1984, une organisation criminelle prétendant détenir l'arme nucléaire menace le gouvernement des États-Unis de s'en servir contre sa population si celui-ci ne cède pas à ses revendications. Face au refus catégorique du gouvernement américain de collaborer, deux missiles nucléaires sont lancés sur la Californie. 50 000 personnes périrent lors de cet événement. Le FBI, chargé de cette affaire, ouvrira la plus grande enquête de ce siècle. En 1986, après 2 ans d'investigation, le responsable de cette organisation, Bernie Bergson, est retrouvé grâce au formidable travail d'un enquêteur du FBI, l'agent spécial Hopkins. En 1987, Bernie Bergson est condamné à mort. Prison de Bear Brook, Alabama, 20h. Allez-y. Qu'est-ce qui se passe? Remettez le courant! Vite! Bernie s'est échappé. J'ai trouvé des clés. Jolie créature, non? Thank you.
Les nouvelles sont intéressantes. Vous voulez des informations sur quel sujet? Les faits divers. Ah, il y en a plusieurs. Alors, un scientifique a disparu, une jeune fille a été étranglée, et un éboueur a été retrouvé en plusieurs morceaux dans la benne de son camion. Le scientifique? C'est le cinquième scientifique enlevé en 2 mois. Tout cela semble bien étrange. Quel était le but de ses recherches? Il travaillait sur la duplication des cellules. En fait, ses recherches portaient sur le clonage des individus. Je dois partir. Hold up à la banque du centre. Hopkins, tu es chargé de l'affaire. Attention! Il vous tue à l'otage! Hopkins, FBI. Je suis le sergent Anderson. J'ai été désigné pour cette affaire. Je ferai le maximum pour vous aider. Où en sont les négociations? Pour l'instant, les ravisseurs ne nous répondent plus. Ils viennent de tuer un premier otage. Quelles sont leurs exigences? Ils exigent un hélicoptère avec un pilote. Donnez-moi un porte-voix. Ok, pas de problème. Le sergent Anderson m'a donné un porte-voix. Je désire reprendre les négociations avec vous. Quelles sont vos exigences? Nous voulons un hélicoptère. Que gagnons-nous en échange? Quand nous serons dans l'hélicoptère, nous libérerons peut-être les otages. J'accepte pour l'hélico, à une condition. Quelle est cette condition? Je viens remplacer les otages. Je te propose la solution suivante. L'hélicoptère atterrit sur le toit et tu nous rejoins. Nous libérons les otages et tu montes sur le toit avec nous. J'accepte votre proposition. Pas de problème.
C'est le plan d'une bombe. La mention CGD est soulignée en rouge. J'ai trouvé un cutter. Il ne se passe rien. La boîte est fermée. Il ne se passe rien. La bombe est désamorcée. L'hélicoptère des preneurs d'otages a été retrouvé dans le terrain vague. We'll be right back.
la cause de son décès? Elle a reçu une balle dans la tête. C'est du travail de professionnel. Elle a été torturée? Je ne pense pas. Toutefois, j'ai décelé quelques ecchymoses. Elle a également des plaies superficielles réalisées probablement avec une lame de couteau. Je dois partir. Où se trouvent les policiers? Ils viennent de partir. Ils ont inspecté les lieux. Je dois partir. J'ai trouvé un bout de viande. Je dois partir. Êtes-vous satisfait de mon travail face au hold-up? Je vous félicite, Hopkins. Vous avez fait honneur au FBI. Maintenant, vous devez absolument retrouver ces tueurs. Je dois partir.
As-tu des messages pour moi? Non, j'ai rien pour toi. As-tu du courrier pour moi? Non, j'ai rien pour toi. Je dois partir. Que sais-tu sur la disparition des scientifiques? Depuis 2 mois, plusieurs scientifiques ont disparu dans des conditions mystérieuses. Que veux-tu dire par « conditions mystérieuses » À chaque fois, le chercheur disparaît alors qu'il effectue un trajet en voiture. On retrouve son véhicule vide, porte ouverte et phare allumé. Quel était le but de leur recherche? En gros, ils effectuaient des recherches sur l'ADN. Quelle est ton opinion sur cette affaire? Je pense qu'ils ont été enlevés par des extraterrestres. Je plaisante. Je dois partir. Il va effectuer des analyses sur le lacet. Il m'appellera au FBI pour me communiquer les résultats. Il n'y a rien d'intéressant. J'ai trouvé une clé. Fermez la clé.
Que sais-tu sur l'assassinat de l'éboueur? Je ne m'occupe pas de cette affaire. Que sais-tu sur la fille étranglée? Je ne m'occupe pas de cette affaire. Que sais-tu sur la disparition des scientifiques? Depuis 2 mois, plusieurs scientifiques ont disparu dans... Il s'agit peut-être de fugue? Je ne le pense pas. Je ne crois pas aux coïncidences. Combien de scientifiques ont disparu? 5 scientifiques ont disparu pour le moment. Que veux-tu dire? À chaque fois... Se connaissaient-ils? Ils se sont certainement rencontrés dans des congrès, mais ils n'ont jamais travaillé ensemble. Quelle est ton opinion sur cette affaire? Je pense qu'ils ont été... On dîne ensemble ce soir? Oui, mais pour une fois, je t'invite chez moi. À quelle heure? Passe vers 20h. Vivement ce soir. J'aurai une surprise pour toi. Je dois partir. Message pour moi? Un chercheur du laboratoire a appelé. Tu peux le joindre au 56 25 15 36. Je dois partir. Vous m'avez appelé? Oui, je vous ai appelé comme nous l'avions convenu. Avez-vous analysé le lacet? Oui, nous avons fini les analyses sur le bout de lacet. Avez-vous trouvé quelque chose? Bien, le lacet appartient bien à un des tueurs de la banque. Portait une trace de sang appartenant à la jeune femme égorgée. Vous pouvez m'en dire plus? Nous avons également retrouvé des particules de mousse et de champignons. Vous pouvez être plus explicite? Le tueur se cache certainement dans une forêt.
Je ne trouve pas votre dossier. Veuillez patienter dans la salle d'attente. Ok, j'ai des cacahuètes maintenant. Il vient de manger mes cacahuètes. Vous ne désirez pas boire quelque chose? Je serais ravi de vous offrir un verre. J'accepte votre offre. Yeah. Rejoignez-moi au bar. Je n'ai plus besoin de ces vêtements ridicules.
Il est 20h, j'ai rendez-vous avec Samantha. Il n'y a personne ici pour l'instant. J'ai trouvé un chewing-gum. J'ai trouvé un briquet. Excellent ce chewing-gum. She will. I
j'ai trouvé des somnifères. Elle a été écrite avec du sang. Là où tu passes tes journées, tu trouveras un cadeau. Ce n'est pas Samantha. Cette jeune femme a été étranglée à l'aide d'une corde. Mais où se trouve Samantha? C'est une cassette vidéo de type VHS. Salut Hopkins, tu me reconnais? Non? C'est pas étonnant. Tu sais, après mon électrocution, j'avais besoin de me refaire une beauté. Pas mal mon nouveau visage, non? Revenons aux choses sérieuses. J'ai un petit jeu à te proposer. Il s'appelle... Où se trouve Samantha? Pour l'instant, elle est avec moi. D'ailleurs, je la trouve très charmante! Je suppose que tu as hâte de jouer avec moi, non? Je t'explique la règle de ce jeu. Chaque cadavre porte une énigme, et chaque énigme conduit à un cadavre. Amusant, non? L'énigme du dernier cadavre te révélera le lieu où est détenue ta fiancée. Bien sûr, elle sera encore vivante. Je te donne la première énigme. Là où l'homme a des nageoires, ton double devra flotter.
Il y est inscrit « Chaud aura le roi, mat il sera ». Elle représente un cavalier. Elle représente Louis XVI, roi de France, de 1774 à 1791. Il fut condamné à mort et exécuté en janvier 1793 pour trahison. Rien. C'est un vieux. Je n'en vois pas lui. Il y est inscrit « Star d'un jour, elle sera ». Ok, vous pouvez passer.
Il est relié au projecteur. Ce message a été écrit avec de la peinture. Dans le 1000, tu obtiendras le gros lot au 5. Le stand est réservé aux agents du FBI. Il y a un stand de libre? Le stand 6 est libre. Je dois partir. Quel est ce lieu? Vous êtes au stand de tir réservé aux policiers de la ville et aux agents du FBI. Il y a un stand de libre? Le stand 6 est libre. Je dois partir. Je ne peux pas donner cet objet. Thank you.
commande le mouvement de la cible. La cible est en papier. Il n'y a rien en dessous. Samantha, je viens de la tuer. Désolé, Hopkins, tu as perdu. Le cadavre que tu as trouvé dans le cinéma était le dernier. Tu viens de tuer ta fiancée. Je vais t'avouer une chose. Tu m'as rendu service. Ta petite amie avait découvert quelques éléments qui auraient pu me nuire. Alors je te dis merci. Merci, Hopkins. Il n'y a rien d'important. Il est fermé à clé. Il y est inscrit 3, 2, 8, M, H, Z, A.
J'ai peut-être un indice. Hopkins, je vous écoute. Samantha a rencontré un indicateur. Et alors? Elle a disparu après cette rencontre. Et alors? L'informateur lui a parlé d'une île. Et alors? Je pense que cette île a un rapport avec Bernie. Simple hypothèse, Hopkins. Où sont les faits? Je veux visiter cette île, chef. Eh bien, Hopkins, je téléphone à l'aéroport pour réserver un avion. Vous sauterez en parachute sur cette île. Espérons que cette piste sera la bonne. Vous êtes Hopkins du FBI. Ok, je vous attendais. Votre patron s'est occupé de tout. Je vais vous parachuter sur l'île Condor. Your long black hair. Don't want you going round with no one else. Cause when I'm
j'en m'asserre. Donner cet objet.
Ok, nous acceptons vos pièces. Vous pouvez lancer les dés. Bravo! Vous avez gagné les 70 dollars. Vous avez vraiment beaucoup de chance. J'ai trouvé un ver de terre. C'est une canne à pêche, elle coûte 70 dollars. Oh, votre choix est judicieux. Et cette canne à pêche est d'excellente qualité. J'ai accroché le ver de terre sur l'hameçon. Super, j'ai attrapé un poisson.
j'ai versé mon flacon de somnifère dans son verre. Voici votre blouse, monsieur. J'ai trouvé un badge. D'accord, vous pouvez passer. Je n'ai rien trouvé. Il est fermé à clé. Je n'ai rien trouvé. Il ne révèle pas d'informations importantes. Il y a un trombone sur cette feuille de papier.
J'ai trouvé une boîte d'allumettes. L'aspirateur est branché dessus. Faire cela, la pièce est sous surveillance. Ok, j'ai enfilé les gants. J'ai provoqué un court-circuit. L'incendie s'est déclenché. Les gardiens ne vont pas tarder à intervenir. Je dois partir. L'alarme incendie s'est déclenchée au second niveau. Je vais inspecter l'étage.
un message dessus. Elle semble prévue pour accueillir une carte.
J'avais prévu ta visite, Hopkins. Mais je ne pensais pas que tu trouverais aussi vite mon repère. Comme tu l'as certainement compris, j'ai usé du même stratagème que toi pour échapper à la mort lors de mon exécution. Mais ce procédé est aléatoire. L'immortalité, Hopkins, est la seule chose qui me préoccupe depuis ces dernières années. En perçant son secret, je deviendrai une sorte de dieu et pourrai enfin bâtir une civilisation à mon image. Ce rêve n'est plus si loin, Hopkins. Je maîtrise déjà le clonage. Et mes dernières expériences sur la résurrection sont encourageantes. J'ai réussi à redonner la vie à des cadavres. Mais seul le télétransporteur situé dans le purgatoire peut permettre à ceux-ci de retrouver leur esprit afin de poursuivre mes expériences. J'ai besoin de nombreux cobayes. Tu seras à la hauteur de cette fonction. J'en suis persuadé. J'ai trouvé une bague en or. Il y a une sorte de diamant dessus. Je n'ai rien trouvé. C'est le cadavre du docteur Phillips. Il porte des traces de torture. Envoyez-moi deux gardes pour transférer le cercueil du docteur Phillips à la morgue. Contient le cadavre. Oh mon Dieu! C'est le cadavre de Samantha! J'ai trouvé une seringue.
Le goût de ce liquide est vraiment infect. Le gaz mortel envahit la base. Cette machine a été réparée récemment. Il ne se passe rien. Il ne se passe rien. Aïe, je déteste les prises de sang. Il ne se passe rien. A tué le clone. Thank you.
Samantha, c'est vous? Mais tu me reconnais pas? Je suis le clone d'Hopkins. Le clone? Mais je comprends rien à vos propos. Hopkins a besoin de vous. Que puis-je faire pour l'aider? Je vais vous ramener sur Terre. D'accord. Je vous accompagne. Votre couteau est fictif, non? Non, je ne le crois pas. Puis-je vous l'emprunter? Oui. Permettez-moi de vous l'offrir. Thank you.
tirer qu'il s'est produit quelque chose. Il y a eu un déclic. Toi! J'admire ta perspicacité, Hopkins! Cette fois, ton destin est déjà tracé. Tu mourras par le fer! Attrape cette épée et fais preuve de courage face à la mort. Désolé de devoir te tuer! Nous aurions fait d'excellents associés. Tu as enfin trouvé un adversaire à ta hauteur, Bernie. Assez joué, Hopkins! Venons-en aux choses sérieuses! Je me sens...
you're standing there. Your low-cut slacks and your long black hair. Don't want you going around with no one else. Cause when I'm with you, I can't control myself. I can't stand still cause you've got me going. And your hips are showing. I take you, girl, as you're standing there. Your low-cut slacks and your long black hair. Don't want you going around with no one else. Cause when I'm with you, I can't control myself.
you're standing there. Your low-cut slacks and your long black hair. The one you going round with no one else. Cause when I'm with you, I can't control myself. I can't stand still cause you've got me going. Low and your hips are showing. I take you, girl, as you're standing there. Your low-cut slacks and your long black hair. Don't want you going round with no one else. Cause when I'm with you, I can't control myself. Control myself.